Bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être de la carterie, voilà. On m'a demandé de faire une carte de naissance pour une petite fille. Donc voilà, je vais faire la carte avec vous. Alors je vais peut-être en faire deux, voilà, pour laisser choisir la personne. Alors, je vais en faire une, alors, soit, enfin, peut-être deux ou trois, je vais voir. Alors, il y en a une que je ferai avec le landau, voilà. Et il y en a la deuxième et la troisième, je la ferai avec des tamponnages et également avec des dies, avec des découpes. Alors, j'ai choisi en premier celui-ci, voilà. Avec les petits tampons d'animaux ici en bas, voilà. J'ai également ce tampon ici, voilà. Donc ce serait avec le petit nounours là, fille, donc avec It's a Girl. Et j'ai aussi celui-là, donc je ne sais pas encore. Voilà, là c'est les petits nounours. Donc je verrai. Donc je vais utiliser ben, comme d'habitude une carte 15-15 d'action, les stickers pour marquer, oui, bienvenue à bébé, et il y a des félicitations également. Je vais peut-être, alors comme vous savez hein, avec moi je ne sais jamais exactement ce que je vais utiliser tout de suite. Alors, comme je ne les ai pas encore utilisés, je vais peut-être utiliser les dies que j'avais reçus, hein, voilà, de la boutique Loving Art. Je vois le remarque en dessous. Voilà, donc je ne sais pas lequel j'utiliserai, je verrai. Du cardstock comme ceci. Donc là, je vais sûrement prendre, il y a du rose dedans, donc je vais sûrement utiliser le rose. J'ai sorti celui-là. Ça, vous rappelez, hein, ça faisait partie du lot des dies surprise. Et j'ai sorti aussi des petits dies nuages. Et puis, si je veux d'autres dies, ben, j'ai ce qu'il me faut là derrière, hein, puis le grand panneau. Si je pense que j'aurais besoin d'un autre dies, des petits papillons, des petits cœurs, je verrai. Voilà. Et j'ai ma Big Shot à côté de moi. Après, bon, je verrai, suivant mon inspiration. Voilà. Donc, je vais vous basculer et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai déballé les cardstock hein, que j'avais. Alors le rose est assez rose, vous voyez. Donc je vais voir. Je vais peut-être l'utiliser en fond. Et dans ce cas-là, je vais peut-être plutôt utiliser du blanc pour faire le landau. Et utiliser donc le rose en fond. Je vais mettre mon stock à l'envers pour marquer là où je dois découper. À la poubelle, ah, j'ai rangé, alors j'ai vu, j'ai lavé mon tapis donc, à la douche comme ça il est tout propre. Donc j'ai lavé à la douche et moi je lave un petit peu de la colle, mais à la paille de fer, donc,
Enfin, mais voyez, quand même, il va falloir que je commence à changer parce que de toute façon, il gondole. Et malgré que c'est un tapis auto-cicatrisant, depuis tant que je l'ai, il n'est plus auto-cicatrisant. Voilà, donc celui-là, il va. Ici. Je ne colle pas tout de suite pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai pris mon washi? Ah non, il restait là-bas. Alors, aujourd'hui, par contre, il faut que je surveille l'heure. Parce que j'ai rendez-vous chez le kiné. Il ne faut pas que je rate l'heure. Pour ma première séance de drainage lymphatique pour mes jambes. Qui me font bobo. Voilà le petit landau, tout mignon. C'est le double face. Ça fait. Bon, ça c'est du papier pollen de Claire Fontaine. Oui. Donc c'est du 210 grammes. En faire des carrés. Donc on va mesurer. Il faut que je fais plus petit. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire 12. Je vais faire 12. Je vais faire à 6. Normalement.
normalement ça devrait aller. D'abord un petit trait en bas. Voilà. Donc, je vais perdre mon repère quand je vais couper. Je vais voir si j'ai bien mesuré. Je vais plus faire plus grand. Mince, je n'avais pas pensé. Ça fait rien. Là on va faire des repères pour pas se tromper quand on colle, parce qu'une fois que c'est collé, ben c'est mort hein. Alors j'avais une règle hein, tout à l'heure. Ah, elle est là. Si je fais 1 cm, pas bouger. Donc on va faire ah bah oui, je suis bête.
Voilà, si je fais 1 cm, ça fait ça. Donc c'est ce que je recherche. Donc c'est bon. On va coller le premier. Voilà. Alors, où j'en suis? Donc, je vais faire mes petits nuages. Voilà. Je cherche pour après. Des petits messages. Alors, il y a félicitations. Sincère félicitations. Bienvenue à bébé. J'ai sincère félicitations à l'occasion du baptême. Je n'avais même pas vu ça.
même pas. Zut, zut, zut. Donc ça serait celui-là, mais celui-là, il est assez large. Hein. Ça va pas le faire. Donc je pense pas que je vais utiliser cela pour celle-là de carte. Bon. Je vais déjà mettre mes petits nuages. Donc là, de ce côté-là, je vais en mettre deux. Voilà. Et de l'autre côté du nuage, je m'en mets quatre. Pour attraper les épaisseurs. Hein. Et là, celui-ci va avoir trois épaisseurs. Et quoi, un double face, problème.
Voilà, avec mes ciseaux après. Même à mes doigts, j'arrive pas à retirer. Sababelle dehors, mais Sababelle. On a été tranquille une semaine. Le voisin avec ses chiens était parti en vacances une semaine. Sans ses chiens, bien sûr. Ses chiens sont restés là. Moi j'aime bien, sauf qu'il a fait un chenille maintenant. Donc les chiens sont enfermés 24 heures sur 24 dans le chenille. Et les chiens ont été. Rester enfermé dans le chenil tout le temps qu'il est parti en vacances. Quand quelqu'un venait leur donner à manger et à boire, hein, quand il y pensait, qu'il n'oubliait pas. Mais il a fait très très chaud cette semaine. Donc les chiens étaient en pleine chaleur dans le chenil, sous 40 degrés. Se sont bouffés la gueule deux trois fois, bien sûr. Mais bon, alors, les petits nuages, voyez. Bon, maintenant, il va falloir que je colle ça. Les deux. Voilà. Avec le petit landau. Donc maintenant il me reste à faire l'étiquette félicitations. Alors, bienvenue à bébé, on va marquer.
bébé. Donc ça, on va le mettre en 3D. Voilà, je pense que ça suffit pour celle-là. C'est tout, tout simple, petit landau, petit nuage, petit bienvenue à bébé. Bon, les perles, j'en ai pas mis partout, exprès. Voilà.